Donc il y a autant du FPS, Call of Duty, entre guillemets, mais autant tout ce qui est craft et tout ça. Note de mise à jour. Alors, on va jouer en mode partie rapide. Je pense que ce sera le plus simple pour trouver des gens. En espérant qu'il y a des gens. Parce que là, pas derrière, mais personne. Oh, il y a des gens. Waouh, il y a des gens. Let's go. Alors, nous, notre but, vous voyez la map. Là, les bleus, c'est mes poteaux. Là, les autres, c'est de la domination qu'on peut connaître sur n'importe quel jeu type Call of Duty, Battlefield et tout ça. Sauf que, en gros, pour récupérer à la base, il faut aller détruire un genre de poste de commandement dans chaque truc. Et nous, on devra récupérer un peu éparpillé partout des matériaux pour crafter notre arme, nos munitions, notre base avant-poste, on va dire ça. Et même pour créer notre grosse base, genre si on récupère un point, genre le A, le F et tout ça, il faudra mettre beaucoup de matériaux pour la crafter. Alors on va partir sur le B, hein, on est bien avancé. Tac. Alors, on peut réparer avec le marteau que vous voyez. Donc là, ici, ça, c'est les grosses bases à créer. Donc là, il y a plein de matériaux à terre, hein. Vous l'aurez compris. Et notre but, ce sera du coup de créer nos armes, nos munitions, créer du coup notre quartier général et tout ça, nos défenses. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc là, vous voyez ici, tout ce qui est là, ici, c'est quelqu'un l'a créé. On peut crafter, je sais plus comment on crée d'ailleurs. J'ai oublié les touches, je crois que c'est A. Voilà. On peut créer genre des murs, des portes, des coffres et tout ça pour ranger nos équipements. Donc notre but sera déjà d'une part ouais, ils en ont mis des portes ici, putain. De récupérer des équipements. On peut également réparer des trucs déjà posés pour en mettre plus. Wesh, frérot, ça a l'air bien leur truc Ils ont mis des portes partout, vraiment. Je sais plus ce que je disais. Nous, déjà, d'une part, on va retrouver des matos pour se créer une arme et des munitions. Sinon, ça peut être vite la merde. On peut se faire attaquer. Hop, on va se créer une arme, des munitions. Tac. Voilà, il y en aura à terre, c'est pas grave. Et on peut partir à la guerre. Et en gros, si j'ai envie, par exemple, là, de boucher. Si j'ai envie de là de boucher l'espace, je peux faire un mur. Comme ça. Voilà. Genre si j'ai envie de faire chier les gens. Voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à taper pour construire le mur. En vrai, c'est une map assez grande, une map ouverte de domination. Mais en même temps, tu peux. La modifier à ta guise, quoi. Et ça, pour genre les détruire, il faut genre des grenades, des trucs et tout. Donc c'est assez relou. Par contre, on se fait attaquer ou quoi là? On va aller vers le. Je sais plus c'est quoi la touche par les. Il y a des gens qui meurent là. On se fait attaquer. On va aller vers un point. Alors, on va aller vers le point C. Hein. Où le point de C. Il est par là-bas. Après, ça reste un jeu de domination assez normal. Hein. Genre, tu vois, tu tues les gens que tu vois, et puis basta quoi. J'ai l'impression d'entendre courir à côté de moi. Ah, c'est pas une impression. Il y a vraiment des gens qui courent à côté de moi. Est-ce que je peux ouvrir leur porte? Non. Moi, tu vois, je peux pas l'ouvrir à leur porte. Faut que je la détruise. Et pour la détruire, il faut des grenades. Et j'ai pas de grenades. Y'a pas moyen de passer par. Je veux dire, y'a pas moyen de passer par la fenêtre.
On va se porter porte partout. Je peux pas faire toc 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 ouvrez-moi. Mais c'est un pote là-bas qui court. Il est en train de péter une porte, j'ai l'impression. On va aller le soutenir. Qu'est-ce qu'il est lui? Wesh. Ah ouais, d'accord. Ok, il y en a un derrière en fait, qui aura proscrire H24 à mur. Ça sera impossible à reprendre. Si, comme si gros. Je sais pas. C'est quoi la touche des grenades? Oh, je meurs. Allen. Oh, comment il nous a... il nous a détruit le mec. Je m'attendais pas à avoir un mec. Donc là, après, on repart de... Ah non, on repart pas de zéro, j'allais dire. Bon, c'est pas la même que la fois dernière que j'ai fait un truc. Et on faut repartir à la guerre, quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut crafter des grenades. Y'a qu'avec des grenades... on peut détruire... les murs. Oh, puis moi, mon IM, gros. C'est tombé. Ce qu'ils mettent. Ah, ils mettent des trucs, hein. Vraiment, moi, autant la IM sur Valo, on va dire que ça va, autant sur les autres jeux, quand tu connais pas le jeu, en plus, j'ai jamais joué au jeu. Bah, c'est compliqué. Compliqué. On va essayer de défendre. En fait, faut faire le moins de bruit possible. Hein. Je sais plus d'où on s'est fait attaquer. Hein. Par où je suis mort, moi. Je peux récupérer mes trucs. Hop. On ramasse tout. Par contre, il me reste une balle ou c'est moi là? Pourtant j'ai mis une balle, là, je suis deg. Mec il campe chez nous ce bâtard. Ouais, je sais pas quel level il est. Parce qu'en gros les maps ça se fait qu'elles durent ultra longtemps. Je pense que tant que tout y a pas été pris ça peut durer ultra longtemps. On va courir de partout. Mon premier kill, let's go! Bien ouais, ça. Ceux qui tirent, ceux qui tirent. Arrêtez de tirer. Je peux pas, genre, tout ramasser, voilà. Ouais, on va monter.
c'est la guerre. Je sais plus comment on craft des. Comment on craft des grenades et tout. Ok, bro. Je surveille. Je suis caché. Merde, je suis tombé en haut. Oh, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oh putain, gars, il m'a vu. Fion! Même pour soigner, je sais plus la touche. Je sais plus. Oh, j'ai un cut. Oh, il y a une touche pour soigner. A, F, ah c'est putain de parenthèse. Voilà, on est bien. On est bien. Oh, ça c'est pour les munitions. Tac, c'est bon. On est requinqué. Après, il y a ça aussi à récupérer, c'est des papiers, je sais pas. Pas vraiment agonir les mamies. Détruisez toutes les bases de l'ennemi et contrôler plus de bases que l'ennemi pour le forcer à capituler. Voilà, la map se termine quand l'un des deux camps capitule, quoi. Tout simplement. Je sais pas comment je peux enlever mon poing maintenant. Ah ouais, mais ils ont des mitraillettes, frérot. Les mecs, ils ont des mitraillettes, tu veux faire quoi? Oh, je peux même pas. Je vais même pas me soigner. Ah, faut ramener ça à un QG. Oh putain. Ouais, un avant-poste. Run for your life, bro. Oh les. C'est une blague. Les mecs, ils mettent des pièges derrière les portes. C'est moi qui se fais niquer, quoi. C'est une putain de blague! Frérot, arrêtez vos conneries! Voilà! On a ramené deux documents! C'est qui le boss en fait? C'est Bibi! Putain, je me suis fait niquer par mes propres potes! Okay. Mettre des pièges partout! Perdu. Les portes se ferment toutes seules, c'est bien ça. Il y a tout sauf de la vie. Hein. Vraiment, nick. Alors, il y a tout sauf de la vie. Il y a un cycle jour-nuit. Je vois rien. C'est quoi ça? Produit chimique.
Alors du carburant, je sais pas pourquoi. À mon avis, il n'y a pas de véhicule, hein, donc je sais pas à quoi ils servent. Bah, il y a des véhicules, mais ils sont un peu déglingues. Bon, par contre, il n'y a pas de lave qui traîne, là, genre. En fait, tu peux aller dans les maisons, les piéger juste derrière. Tu peux te faire des kills easy, quoi. Pas s'il y a des endroits spécifiques pour avoir de la vie ou des trucs comme ça. Allez, pas tard. Je peux rien craft. Débloquer des schémas. Où sont les grenades? Des pièges à loups. Oh, attends, je vais déployer des pièges à loups devant leur truc. C'est tombé. Des bandages. Voilà, c'est ça qu'on veut. Putain, j'ai eu peur, je pensais que la porte s'ouvrait devant moi. Comment je pose les pièges? Quelqu'un dehors, ni peur. J'avais pas ma mitraillette. Oh, je suis dégueu. J'étais un fufu chez eux. J'avais pas ma mitraillette, en plus ils m'avaient même pas vu dans le coin. Ça se trouve, je vais faire un kill gratos. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Yo David, ça va la forme? Votre cabane, la fortune a subi d'importants dégâts. Ah, je suis dé... Ah bah ça va, tout ce qu'on débloque, en gros, il reste débloqué, nickel. Je vais retourner, moi, t'inquiète. Je vais retourner, je vais les goumer. L'inventaire est plein. Oh shit. Je sais pas comment, je sais plus comment on répare. Je crois que c'est sur une station de réparation. Attends, j'ai des trucs qui me servent à rien là. Bah, j'ai des trucs en double, donc on va têche. Faut que je trouve des munitions. Je vois quoi, c'est United 1944. C'est, tu te rappelles, je crois que c'est à toi que je l'avais dit, le jeu où tu peux craft, enfin c'est un genre de battle royale et tu craft, tu construis ton ta base et tout là. Là, il y a des gens aujourd'hui, donc on peut y jouer. C'est toujours mieux que de jouer, mais rentre, wesh. C'est toujours mieux que d'y jouer tout seul. Ah, je suis deg, n'empêche. J'étais rentré en fufu chez eux. Ah putain, j'aurais pu créer la Thompson. Shit. Voilà. Moi j'étais parti vers où? Vers le B, je crois. Ah bah attends, on l'a récupéré le B. Ah non, c'est au G. Je vais... Faut que j'aille au point G. Je sais plus par où je suis passé par contre.
Tout à l'heure, je suis rentré en fufu, quoi. Par où je suis rentré tout à l'heure? Faut que je fasse gaffe de pas marcher sur mes propres pièges. Enfin, je sais pas s'ils sont encore là, mais... je pense des pièges. Alors sorti, pas les couilles. On est d'accord, c'est un changement. Il fait donc donc donc. Peut-être qu'il va ouvrir, je sais pas. C'est dommage. Dommage que j'ai pas de grenade. Hein. Il n'a pas voulu dormir. Ah, ce serait bien drôle que quelqu'un se mette là. Allez hop. Le mec il cale des kills normal de chez eux. Je suis trop mort. Il s'est mangé mon piège, je crois. Je suis vraiment une putain. Pourquoi je peux pas les prendre? Je suis vraiment une grosse pute, hein. Campé là. Attends, mais ça c'est... Ah d'accord. Quelqu'un. Je sais pas ce qu'il me faut pour crafter ça. Ok, il me manque...
Putain, il me manque quoi? Des trucs là, ça. Je vais mettre des pièges partout chez eux. Oh, je fais ma grosse pute. À la guerre comme à la guerre, comment dire. J'espère que je peux ne pas me prendre mes propres pièces, quoi, ce serait bien. À camper là, c'est nul aussi, hein, parce que pire, de loin, je peux peut-être les avoir. Hein. Voilà la guerre, voilà la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. C'est un pote. Gagné! Je suis un pot de fleurs! Je vois des moins 30 au loin! Oh le mec il s'est retourné, il m'a mis une balle vraiment, il m'a compris. Ah bref, vous avez compris un peu le système du jeu. Oh putain on s'est fait... Ah non c'est bon. On est bleu, j'allais dire on s'est fait remonter comme des merdes. Ah il y a du monde en point G. Ah j'ai envie d'y retourner. Ah j'ai envie d'y retourner, ils vont se prendre tous mes pièges, bats les couilles. Ah, on est sur la fin là. En vrai. Bon, normalement, apparemment, on prend pas nos propres pièges. Oui, j'ai assez de matériaux pour me crafter une carabine, là, parce qu'elle fait un peu la gueule, la mienne. Hop. Et me recraft une Thompson. Je peux pas acheter la carabine là, là. Let's go, on a gagné! Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai posé des pièges partout, mais on a gagné! Oh, vraiment, le truc chez eux là, c'était épique, hein! Je suis où moi? Oron! 4 kills, 4 kills, 5 morts! Ah, bah, c'est mes. Ouais, c'est mes 4 dias de Valo, quoi! Enfin, bref, voilà, vous avez compris un peu le système du jeu. Bon, j'ai pas trop fait de craft, mais je vous ai montré comment ça se passait, quoi! En vrai, ça peut être sympa, mais il faut faire des grosses, grosses games. Enfin, commencer une nouvelle game et être à beaucoup parce que là, on était en 5v5, c'était un peu vite, quoi.
Mais je pense que dès que le jeu se démocratisera, et je sais plus quand il sort d'ailleurs, ou je sais plus s'il si est sorti, je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes sur le jeu. Il est sorti le 12 décembre 2023. Donc il est déjà sorti. Il y a la démo disponible, je sais pas vraiment ce qu'elle propose. Nous si on était sur le jeu complet, mais en vrai ça peut être sympa à plusieurs. À voir, à voir.